Salut à tous. Toujours dans la série sur les sens humains, vous pouvez regarder les épisodes précédents ici, sinon les liens sont dans la description. On a vu la vue, l'odorat et l'ouïe. Maintenant un sens essentiel et qu'on confond souvent avec d'autres sens, tout simplement parce que ce sens-là fait partie d'un machin qui est plus grand. Le truc avec le toucher, c'est qu'on le confond souvent avec le sens de la chaleur et le sens de la douleur. Ainsi qu'avec la proprioception. Tout simplement parce que ça fait partie d'un machin plus gros qui s'appelle la somesthésie, dont on parlera au prochain sens. Bref, vous l'avez compris, et en plus c'est écrit dans le titre, aujourd'hui on parle du toucher. Bon, déjà, avant même de commencer à parler du toucher, il faut qu'on fasse un topo sur le principal support de ce sens. Le plus grand de nos organes, la peau. Déjà, on se calme, alors oui, la peau est le plus grand de nos organes du point de vue de son étendue, mais j'ai envie de dire, tel quel. On l'a dit, hein, les poumons, si on les dépliait, ça recouvrirait environ la moitié d'un court de tennis, et on a également parlé de la longueur des intestins. Mais on n'a pas encore parlé de la surface d'échange des intestins, c'est-à-dire la surface totale de la paroi des intestins si on les dépliait complètement. Si on dépliait totalement les intestins, ça recouvrirait la surface folle de 300 à 400 mètres carrés, c'est-à-dire deux cours de tennis. Et il faudrait ouvrir les fenêtres parce que ça sentirait sans doute pas mal le renfermer. Amis du bon goût, au revoir. La peau, elle ne couvre que 2 mètres carrés environ, mais par contre, il n'y a pas besoin de la déplier pour s'en rendre compte. Par ailleurs, la peau est le plus lourd de nos organes avec une moyenne de 3 kg chez l'homme et de 5 kg chez la femme, soit environ 5% de la masse d'un humain. Et du coup, la peau, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, chez les vertébrés, c'est la première barrière de protection contre les agressions extérieures. Pour une raison très simple, c'est qu'elle est en contact direct avec l'extérieur. Donc elle subit en permanence des agressions du froid, du chaud, du sec, de l'humide, des bactéries, des poussières, de l'eau, enfin bref, de tout ce avec quoi on peut être en contact. La peau est constituée de couches superposées, dont vous connaissez sans doute déjà les noms. En partant de l'extérieur vers l'intérieur, on a l'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'épiderme, qui est donc la couche externe de la peau, hein, celle qui est en contact avec l'extérieur et qui subit les agressions extérieures, c'est une couche fine constituée principalement de deux types de cellules, les kératinocytes et les mélanocytes. Et histoire de fixer immédiatement les esprits, on va dire que pour chaque mélanocyte, on a environ 10 kératinocytes. Les kératinocytes, c'est ce que je vais appeler un peu bêtement les cellules classiques de la peau. Attends, mais les mélanocytes aussi, c'est des cellules classiques? Ouais, mais ta gueule. Ambiance. Comme les kératinocytes sont agressés en permanence, elles se reproduisent en permanence au fond de l'épiderme et se propagent du coup vers la surface, ce qui fait que la surface est principalement constituée de cellules mortes qui se désquament. C'est-à-dire que les cellules sont éliminées par paquets, et ces paquets, on appelle ça des squames. Les kératinocytes prolifèrent et se différencient en permanence pour finir par devenir des cellules mortes de la peau, qu'on appelle des cornéocytes, et qui finissent donc par tomber. D'ailleurs, ces cellules meurent par apoptose. Si vous vous en rappelez, on a déjà parlé de l'apoptose, donc je mets le lien ici, le lien dans la description, voilà, si jamais vous voulez vous remémorer. Ah, et vous savez, ces poussières étincelantes que vous captez flottant dans l'air sous la chaleur douce et caressante d'un soleil d'été, ce sont des peaux mortes. Et de la poussière. Et des fibres aussi. Et des fanères. Les fanères, c'est tout ce que l'épiderme produit d'apparent. Comme par exemple les ongles, les cheveux, les poils, les cils, mais également les griffes, les écailles, même les dents. Attends, il n'y a quand même pas des dents dans les poussières étincelantes qu'on capte flottant dans l'air sous la chaleur douce et caressante d'un soleil d'été? Non. Ok, donc ça c'est pour les kératinocytes. Et les mélanocytes, dont j'ai dit qu'ils étaient 10 fois moins nombreux, eux, ils se régénèrent beaucoup moins bien que les kératinocytes. Alors attention, ils se régénèrent, mais là où les kératinocytes se produisent en permanence, les mélanocytes sont produits beaucoup plus faiblement et avec une distinction entre deux types de mélanocytes possibles. Les mélanocytes dermiques, qui se trouvent un peu partout sur la peau, et les mélanocytes de follicules pileux, qui se trouvent dans la cavité dans laquelle pousse le poil. Puisqu'on se rentre dans ce niveau de détail, alors, les mélanocytes dermiques ont une activité qui est permanente, tandis que les mélanocytes des follicules pileux suivent le rythme de cycle pilaire. Et leur activité a lieu uniquement pendant, et je cite, les phases anagènes 3 et 4. Oh putain! Parenthèse dans la parenthèse, comme ça on apprend un truc sur le poil, voilà. Le cycle de vie d'un poil, ou d'un cheveu d'ailleurs, est divisé en 4 étapes. La phase anagène, le poil pousse avec une croissance constante et régulière. La phase catagène, le poil là il est quelque part entre la vie et la mort, mais il tombe pas. Sa racine commence à remonter vers la surface et sa croissance est stoppée. La phase télogène, là le poil est mort mais il tombe toujours pas. Pas tant que la racine du poil suivant n'est pas suffisamment grande et forte pour déloger le poil précédent du follicule, et la chute du poil.
Et là, on est déjà à nouveau dans la phase anagène du poil suivant, et le cycle continue. Et la phase anagène est elle-même divisée en plusieurs étapes, et c'est donc entre les étapes 3 et 4 de la phase anagène que le mélanocyte folliculaire est actif. Bon, et à quoi ça sert du coup les mélanocytes ? Eh bien, ça sert à pigmenter la peau en produisant de la mélanine. Ce qui n'est absolument pas fait juste pour faire joli, super on est bronzé. Ça sert avant tout à protéger contre les UV. Et chaque mélanocyte va produire de la mélanine pour environ 36 kératinocytes environnants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la densité en mélanocytes dans la peau n'est pas constante. Notamment, elle est plus faible sur la paume des mains et sous la plante des pieds. Raison pour laquelle la paume des mains et la plante des pieds restent claires, y compris indépendamment de votre bronzage ou de votre couleur de peau. Juste avant de fermer cette parenthèse, encore deux ou trois trucs marrants sur les mélanocytes et après, promis, on vient au toucher. On trouve également des mélanocytes dans l'œil et dans l'oreille interne, notamment au niveau de la cochlée. Du coup, les mélanocytes semblent jouer un autre rôle qu'uniquement pigmenter la peau. Bon, en vrai, au niveau de l'œil, ça me choque pas plus que ça. Je veux dire, il faut bien qu'on se protège des rayons UV. Mais au niveau de l'oreille, du coup, ça sert à quoi ? Eh bien, pour l'oreille, on a constaté la chose suivante. Chez certains animaux, lorsque les mélanocytes ne migrent pas correctement vers l'oreille pendant la gestation, ça se repère au fait qu'ils ont des oreilles parfaitement blanches alors que les congénères ont des oreilles tachetées. Ces animaux présentent plus souvent des cas de surdité. Cependant, les albinos qui, eux, ne produisent pas du tout de mélanocytes, eh ben, les albinos n'ont pas de concentration particulière de surdité. Donc, voilà, les mélanocytes ne servent pas que à pigmenter la peau. Bon, je récapitule. Dans l'épiderme, on trouve les kératinocytes et, 10 fois moins nombreux, les mélanocytes. Sous l'effet du rayonnement solaire, les mélanocytes produisent de la mélanine qui propage autour d'eux. Précisément, ils partagent des mélanosomes qui, eux, sont riches en mélanine. Je précise parce que je vois bien qu'il y a quelques étudiants en dermato qui étaient sur le point de lâcher en pouce rouge à cause de cette inacceptable simplification. Je vous ai à l'œil, les étudiants en biologie. D'ailleurs, les grains de beauté de leur vrai nom Navy mélanocytaire sont composés d'amas de mélanocytes. Et je ne vais pas rentrer plus que ça dans le détail parce que je rappelle qu'à ce moment-là de la vidéo, on n'a pas encore du tout parlé du toucher. Mais faites surveiller vos grains de beauté par un dermato. Pitié, sans déconner, c'est hyper facile, c'est pas contraignant et ça peut vous sauver la vie. Bref ! Sous l'épiderme, on trouve le derme qui est un tissu conjonctif qui peut mesurer jusqu'à 1 mm d'épaisseur. Mais c'est quoi un tissu conjonctif ? Déjà, c'est quoi un tissu ? Oh putain ! Bon, reparenthèse. En biologie, un tissu, c'est une structure biologique qui est à mi-chemin entre la cellule et l'organe. De la même manière, si vous voulez, qu'entre une brique et une maison, on a un mur. Un tissu biologique est constitué de cellules qui peuvent être plus ou moins bien organisées, mais qui sont semblables et de même origine. Pour filer la métaphore, si vous voulez, une fenêtre dans un mur, c'est pas un constituant du mur. T'aurais pas récemment été traumatisé par des travaux un peu longs, toi, des fois ? Non, pourquoi ? Il existe 4 types de tissus biologiques. Il y a le tissu épithélial, ou épithélium, dont on a déjà parlé, rappelez-vous, au niveau de l'œil. C'est en quelque sorte une couche de revêtement constituée de cellules serrées les unes contre les autres et qui repose sur un soutien qu'on appelle la lame basale, parce qu'elle est à la base, et à laquelle elles sont tenues par un tissu conjonctif. Ensuite, donc, le tissu conjonctif, c'est un tissu dont le rôle est généralement de soutien d'autres tissus. Les cellules qu'il compose ne sont pas nécessairement collées les unes aux autres, et il peut prendre des formes assez variées. Le derme, les os, les tendons, voire même le sang, qui techniquement est considéré comme un tissu biologique conjonctif, mais liquide. Ah tiens, je vois au loin des étudiants en bio qui font chauffer les pouces rouges. Ensuite, on a le tissu musculaire, qui est constitué de cellules contractiles, qui peuvent se contracter. T'es indispensable, toi, j'espère que tu le sais. Ce tissu permet évidemment les mouvements en constituant les muscles. Tous les muscles. Et on y reviendra bientôt sur les différents types de muscles. Et enfin, le tissu nerveux, qui est composé de cellules polarisées en réseau. C'est le système électrique de l'organisme, hein, c'est ce qui permet de contrôler son fonctionnement. Et fin de la parenthèse. La composition du derme, du coup, c'est 3 catégories de machins. Les macromolécules, principalement du collagène, de l'élastine et de la fibronectine, qui assurent la tonicité et l'élasticité de la peau. Les mucopolysaccharides, vas-y, paye ton scrabble. C'est un genre de gel dans lequel baignent les autres éléments. Mais ça permet l'absorption d'eau et donc ça permet de garder la peau hydratée. Et enfin, tout le reste. C'est-à-dire toutes les cellules qui produisent ce dont on vient de parler, mais également les cellules du système immunitaire. Le derme, donc, est souple et élastique, mais il perd de sa souplesse et de son élasticité avec les années. Et comme l'épiderme repose dessus, eh ben du coup, il épouse la forme du derme. Et ça, avec les années, ça provoque l'apparition de rides. Ah, et c'est dans le derme qu'on vient mettre l'encre des tatouages. Et après l'épiderme et le derme, eh ben il y a l'hypoderme. Et l'hypoderme, à l'extrême limite, on peut presque ne pas le considérer comme un constituant de la peau. Alors, il fait partie de la peau, dans la mesure où là où il y a de la peau, il y a de l'hypoderme, mais son rôle n'est pas lié à celui de la peau. C'est un tissu conjonctif qui sépare la peau de ce qui se trouve en dessous et qui peut être mobile. Les muscles, les tendons, etc. Il sert en quelque sorte d'amortisseur entre l'extérieur et l'intérieur. Il participe également à contrôler la température du corps, ça on y reviendra. Et il sert finalement aussi de réserve de graisse sous-cutanée. Bon, maintenant qu'on a fait le tour, on peut vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alors, le toucher. Ouais, sauf que là, c'est la fin, faudra attendre la suite. Quoi ?
Mais putain! Bon bah j'espère au moins que vous avez appris 2-3 trucs sur la peau. N'oubliez pas de partager, hein, surtout. Ouais, abonnez-vous. Non mais, gros gueule.